Église, famille de Dieu, au Gabon. Avec la chorale, accueillons celui qui vient, in persona, Christi.
Père bien-aimé, nous rendons grâce à Dieu qui nous a rassemblés et qui a voulu que chacun de vous soit ici ce matin. C'est pour nous donner sa joie que Dieu nous a rassemblés. Et afin de t'accueillir cette joie, purifions. Nous laissons Dieu nous purifier. Laissons Dieu nous laver de toutes nos sueurs, de tous nos péchés. Acceptons que Dieu nous réconcilie avec lui, nous qui sommes pécheurs. Acceptons que Dieu nous intègre en lui, lui qui est Dieu. Mais c'est son amour qu'il veut semer dans notre cœur ce matin. Recueillons-nous. Accueillons la grâce de la purification. Demandons pardon pour nos péchés. Et implorons la miséricorde de Dieu en faveur de tous les hommes de la terre. Recueillons-nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je me reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Pendant quelques instants de silence, nous prions les uns pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
elle vient vers nous. Accueillons la parole de Dieu.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous passons à la liturgie de la parole. Soyez attentifs pour retenir et vivre ce qui va être lu et proclamé. Pour pallier un défaut d'organisation, sept hommes remplis d'Esprit Saint sont choisis, nous dit Saint-Luc dans ce passage. Nous écoutons ce récit. Extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les sept premiers versets. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, c'est d'entre vous des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, inconvertis au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs revenait à l'obéissance de la foi. Par la parole du Seigneur. Le psaume 99 est une action de grâce, invitant toute la terre à célébrer le Seigneur et à le servir avec joie. Méditons sur les paroles du psaume en chantant avec la chorale le refrain. Aïe, Père, le Seigneur.
Pour Paul, le Christ est le nouvel Adam. Son œuvre n'est pas achevée. Par son sacrifice, il nous ramène à la vie. Par lui, la mort sera vaincue et nous ressusciterons. Nous écoutons la deuxième lecture, extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 20 à 27a. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est dans Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sur ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Thank you.
En ce jour-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment est-ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles, il fut dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi les merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes, il comble les biens les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Colonel Maïs Mboulet Rilanga. Me voici. Landry Nongoubou. Me voici. Édouard Marc Arthur Ndiaye. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente ses fils,
et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous ces ordres, les attitudes requises? Père évêque, le jeune colonel Mille Moulay Rilanga est né le 23 février 1988 à Port-Gentil. Il est le fils de M. Jean-Marie Pangotte Moulay et de Feu Jeanne Aroga. Il a fait ses études primaires à l'école publique de l'ancienne Balise, où il obtiendra son certificat d'études primaires en juillet 2001. En juin 2006, il reçoit les sacrements de baptême et de première communion. En mai 2007, il reçoit le sacrement de la confirmation. De 2001 à 2010, il fera ses études du second degré au lycée Joseph en Bourroué, à Varou. Études qui se solderont par l'obtention d'un baccalauréat série B en juillet 2010. De septembre 2010 à juillet 2011, il sera inscrit en licence 1 de psychologie à l'université Omar Bongo en Diba. Le 25 septembre 2011, il fera son entrée au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville sous recommandation du père Jean-Claude Kangue, curé alors de la paroisse Saint-Paul-des-Bois. De septembre 2011 à juin 2012, il fera son entrée, son année de propédeutique. De septembre 2012 à juin 2015, il fera son cycle de philosophie au Grand Séminaire International Spiritain Daniel, Père Daniel Rottier de Libreville. Le 26 juin de la même année, il fera sa prise de soutane au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville. D'octobre 2015 à août 2016, il fera son stage annuel simultanément dans les paroisses Sainte-Anne d'Onimba et Saint-Joseph d'Amboué sous la direction de M. l'abbé Jean-Maximin Paca. De septembre 2016 à juin 2020, il ira à nouveau au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville pour faire son cycle d'études théologiques. Le 6 mai 2018, il recevra des mains de Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Iba, évêque du diocèse de Franceville à cette époque, le ministère institué du lectorat. Le 28 avril 2019, il recevra des mains de Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo et Yéné, évêque du diocèse d'Oyem, le ministère institué de l'Apolita. Il a fait le 13 août dernier son rite d'admission au diaconat avec la paternelle bénédiction de Son Excellence Monseigneur Ezéus Chinekezi au Bona Manangu. Depuis octobre 2020, il est en stage prédiaconal à la paroisse cathédrale Saint-Louis sous la direction de M. l'abbé René Comblant-Bossou. Pour ce qui est de notre frère Landin-Dang, Bourobou, il est né le 16 septembre
1989 à Mempouneux. Il est le fils de feu Maurice Marius Pardon Bourreau et de feu Blandine Obol et Pou. Il est le deuxième de sept enfants. De 1995 à 2002, il fait ses études primaires à l'école primaire catholique Saint-Jean-Baptiste de Mempouneux, où il obtient son certificat d'études primaires. En décembre 1991, il reçoit le sacrement de baptême. En juin 1998, il reçoit le sacrement de la première communion. En juin 1999, il reçoit le sacrement de la confirmation. De 2003 à 2007, il fait son premier cycle au lycée Ambroise Aubin-Dan, où il obtient son BEC. De 2008 à 2011, il fait son second cycle au lycée Paul Idjendi Gondou, qui se soldera par l'obtention d'un baccalauréat série A en juillet 2011. En septembre de la même année, il fera son entrée au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville, sous recommandation de l'abbé Luc Lambert, curé de la paroisse Saint-André à cette époque. De septembre 2011 à juin 2012, il fera son année de propédéutique. De septembre 2012 à juin 2015, il fera son cycle de philosophie au Grand Séminaire International Spiritain Père Daniel Brottier de Libreville. Le 1er juin de la même année, il fera sa prise de soutane au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville. D'octobre 2015 à août 2016, il fera un stage annuel à la paroisse Sacré-Cœur de Bacaviation, sous la direction du Père Lambert Nzana. De septembre 2016 à juillet 2020, il ira à nouveau au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville pour faire son cycle d'études en théologie. Le 6 mai 2018, il recevra les mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, évêque du diocèse de Franceville à cette époque, le ministère institué du lectorat le 28 avril 2019. Il recevra des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Andeau et Yémen, évêque du diocèse de Yémen, le ministère institué de l'Acolita. Il a fait le 13 août dernier son rite d'admission au diaconat avec la paternelle bénédiction de son Excellence Monseigneur Ezebius Chinekezi Obona Manango. Depuis octobre 2020, il est en stage pré-diaconal à la paroisse Sainte-Barbe des Pétroliers sous la direction de Monseigneur Roch Armand Augustin Clovis. Enfin, concernant Édouard Marc Arthur Ndiaye, ce dernier est né le 23 mars 1993 à Port-Gentil. Il est le fils de M. Théophile Ndiaye et de feu Sophie Fall. Il est l'aîné d'une fratrie de deux enfants. Il a fait son cycle préscolaire à la crèche au Nombo actuel Fall. Ensuite, il fera ses études primaires à l'école catholique Saint-Louis de Port-Gentil, où il obtiendra son certificat d'études primaires en juillet 2004. En juillet 1993, il reçoit le sacrement de baptême. En mai 2004, il reçoit le sacrement pour la première fois, le sacrement de l'Eucharistie. Il est confirmé dans sa
terre abonde à Walker. Études qui se solderont par l'obtention d'un baccalauréat CIP en juin 2011. Le 25 septembre de la même année, il entre au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libéry sous la recommandation de l'abbé Roch Armand Augustin Clovy, curé de la paroisse cathédrale Saint-Louis à cette époque. De septembre 2011 à juin 2012, il fera son année de propédeutique. De septembre 2012 à juin 2015, il fera son cycle de philosophie au Grand Séminaire International Spiritain, Père Daniel Potier de Libreville. Le 26 juin de la même année, il fera sa prise de soutane au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville. D'octobre 2015 à août 2016, il fera un stage annuel à la paroisse Saint-André de Gamba. D'abord, sous la direction de M. l'abbé André-Marie Dieudonné Mumba, puis sous celle de M. l'abbé Noé Zengue Bandinga Mbatinga. De septembre 2006 à juillet 2020, il ira à nouveau au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville pour faire le cycle d'études en théologie. Le 6 mai 2018, il recevra les mains de son Excellence Monseigneur Patrick Ibaba, évêque du diocèse de Franceville à cette époque. Le ministère institué du lectorat. Le 28 avril 2019, il recevra les mains de son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ando Eyen, évêque du diocèse d'Oyem, le ministère institué de la Côte. Il a fait le 13 août dernier son rite d'admission au diaconat avec la paternelle bénédiction de son Excellence Monseigneur Ezibius Chinekezi Obona Manambu. Depuis octobre 2020, il est en stage pré-diaconal à la paroisse Saint-Michel du Cap Lopez, sous la direction de M. l'abbé Arnaud Mensa Coty. Père, le peuple chrétien qui les connaît a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Colonel Miss Boulay-Langa, Nandrine Ndong-Bourougou, Édouard Matatur-Diaye, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez d'un pas. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Saint, que ta parole se met en nos cœurs, nous purifie et nous rapproche de toi. Qu'elle nous convertisse et nous aide à réaliser ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus ton Fils. Amen. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Guyane-Maritime, Son Excellence, Monsieur le Maire de Port-Gentil, Madame le Préfet présenté, Monsieur le Président du Conseil départemental de Bengé, Monsieur le Maire de la Autorité judiciaire, chef de corps et directeur provincial d'administration, chers invités, à vos rangs, grades et qualités, chers et sœurs dans le Christ, au nom de tous mes confrères ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce n'est pas tous les jours que nous le trouvons de cette manière. Nous partageons la joie des parents de ces trois jeunes qui viennent d'être choisis pour entrer dans l'ordre des diacres. Avec eux, nous vous proposons cette joie qui vient de Dieu. Les chefs religieux qui sont ici, ils sont là aussi pour prendre part à cette célébration et accueillir la joie qui vient de Dieu. Nous saluons donc la présence de chacun d'eux. Votre présence donc nous aide à nous dire nous sommes tous enfants de Dieu. Merci d'être venu. Cher fils, Colonel Miles Landry, Edouard MacArthur, nous sommes là pour vous soutenir. C'est un dimanche, c'est vrai, mais un dimanche pas comme les autres. Parce que ce dimanche est particulier parce que c'est la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est aussi la fête patronale du diocèse de Port-Gentil. Certains ne le savent pas. Et c'est le jour de ces ordinations diaconales. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche spécial qui nous donne de vivre ensemble en cette cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil. Chers et sœurs, Dieu nous a rassemblés pour nous faire partager sa joie, je vous plaît de le répéter. Parce que chacun devra partir ici, même s'il est venu triste, chacun devra repartir joyeux. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. C'est pour cela que nous demandons à Dieu de rejoindre chacun de vous. Je sais qu'il l'a déjà fait. Et je demande à chacun de vous d'accueillir Dieu.
et je vous prie, avant de poursuivre mon médit, de vous lever pour une minute de silence de recueillement. Jacques Gagnier, qui était directeur technique de Radio Sainte-Marie Port-Gentil. Il nous a quittés le 2 juin, le 2 août dernier. Que par la miséricorde de Dieu et le mérite de la passion de Jésus-Christ, l'âme de Jacques et l'âme de tous les fidèles des frères repose en paix. Amen. Je vous remercie. Excellence, chers et sœurs dans le Christ, Dieu nous a permis d'être ici. Et ce pourquoi il nous a conduits jusqu'ici s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Mon homélie va avoir quatre articulations. La première, c'est l'action de grâce à Dieu. La deuxième position, je vais adresser aux parents des environs. La troisième lieu, aux environs eux-mêmes. Et à la fin, je vais adresser à tous les fidèles ici présents. À Dieu pour ce qu'il a fait en Marie, en la choisissant pour être la mère de son fils, la mère de notre Sauveur. C'est par elle qu'il nous a donné le salut. Nous lui disons sincèrement merci. Le texte tout à l'heure nous a dit que la mort est venue par un homme et par un autre homme est venue la vie. Celui qui nous amène à la vie, c'est le Christ Jésus, celui que Dieu a choisi. Il a voulu qu'il soit au milieu de nous comme un homme, un être humain, en toutes choses, excepté le péché. Simplement pour que nous puissions accueillir son message. Parce que si Dieu venait avec toute sa divinité aux côtés des hommes, non seulement nous fuyons, mais aussi nous allons mourir. Nous devons mourir parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc Dieu s'est fait homme pour être au milieu de nous et en même temps nous apprendre comment agir, comment vivre selon Dieu et ce que Jésus est venu faire. Que nous puissions prendre ce modèle que Dieu même nous a donné.
Nous disons merci à Dieu pour le don des parents et du père de ces trois jeunes gens, de ceux qui les ont soutenus, de tout ce que le Seigneur a mis sur leur chemin pour pouvoir répondre à la vocation qui est la leur. Nous disons merci à Dieu pour le don de ces jeunes gens eux-mêmes. Merci à Dieu pour le parcours qu'ils ont fait. Nous avons entendu leur biographie. Cela nous a permis de savoir qu'ils sont avec nous, qu'ils sont comme nous et qu'ils ont besoin aussi de nous pour continuer le chemin. Merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire en chacun de vous maintenant. Oui, mes amis, Dieu est en train d'agir en chacun de vous. Et pour cela, je lui dis merci. L'action de Dieu en chacun de vous, c'est pour confier, une mission. Que ce soit pour cette Eucharistie ou pour les autres, prendre part à une Eucharistie, participer à une Eucharistie, c'est aller chercher une mission. Désormais, lorsque tu iras à une messe, dis-toi que je vais chercher la mission qui est la mienne. Parce qu'à chaque Eucharistie, Dieu nous confie une mission. Je suis persuadé que d'ici la fin de cette Eucharistie, si ce n'est déjà fait, chacun de vous aura sa mission. Nous allons confier à Dieu toutes ses missions parce que nous avons encore cette grâce de pouvoir prier sans être dérangé, de pouvoir louer Dieu, glorifier Dieu, bénir son nom, l'annoncer sans être inquiété. Alors, profitons-en pour pouvoir dire merci à Dieu et accomplir chacun la mission qui est la sienne. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Tout à l'heure, je recevais le message d'un ami prêtre d'un pays qui nous demandait de prier pour son diocèse en proie au terrorisme. Et il y a des morts presque tous les jours à cause du terrorisme. Ce n'est pas le cas chez nous encore. Cela peut arriver. Nous ne souhaitons pas. C'est peut-être l'occasion pour nous, au cours de cette Eucharistie, de prendre pour mission de prier pour la conversion des terroristes. Bien, dans le terrorisme, il n'y a pas que le terrorisme sanglant. Il y a d'autres formes de terrorisme. Si chacun de nous peut s'engager dès aujourd'hui à prier dans ce sens,
puissance à prier pour la conversion des terroristes. Merci à Dieu qui vient de vous confier une mission, un élément de votre mission. Ce n'est qu'un élément. Priez Jean de Christ. Amen. Voilà ce qui concerne l'action de grâce à Dieu. Aux parents, je dis merci. Merci parce que vous avez accompagné vos enfants jusqu'à cette heure-ci. Dieu seul sait ce que vous avez enduré avec eux. Quelles sont les souffrances que vous avez supportées pour les porter, pour les aider, pour les encourager, pour les accompagner. Je vous dis merci au nom du diocèse de Port-Gentil et au nom de l'Église. Parce que vous donnez à l'Église de nouveaux oubliés. Nous confions à Dieu les parents qu'il a déjà rappelés auprès de lui, qu'il les garde dans sa gloire. Ces enfants que vous avez conduits ici demeurent toujours vos enfants, mais ils vont changer le statut pour appartenir à l'Église d'une autre manière. Par le matin, ils appartiennent déjà à l'Église. Mais cette fois-ci, ils vont s'engager dans l'Église comme serviteurs. C'est ça le diable. Je le mettrai là-dessus tout à l'heure. Merci, chers parents, pour votre don généreux. À vous, chers fils, vous qui venez de faire soutenir pas devant Dieu et devant cette assemblée. Pour vous, je dis merci à Dieu. Vous avez eu le temps de retraite. Et ce temps de retraite qui a duré peut-être 8 jours, une semaine pleine, a été pour vous comme qui dirait un engagement, ou le temps de réfléchir sur votre engagement, comme un temps de réflexion, de méditation sous la conduite spirituelle de l'abbé Ephrem Djoni, que je remercie ici encore pour sa disponibilité et ses sages conseils. Et ce temps de retraite est à considérer comme une sorte d'entretien d'embauche. Mais même si ça durait 8 jours, il le fallait. Entretien d'embauche parce que Dieu vous a visité, Dieu vous a parlé, Dieu vous a rencontré chacun individuellement. Et il vous a encouragé puisque vous êtes là, ce matin. Comme pour signer votre engagement devant vos parents, devant tous vos invités, parce que vous allez désormais travailler dans la vigne du Seigneur. N'ayez pas peur. Ceux qui vous sont précédés sont là et continuent à travailler.
N'ayez pas peur parce que celui qui vous a appelé vous a en même temps donné tout ce dont vous avez besoin, il vous a équipé, il vous a tout donné pour que vous puissiez accomplir la mission qu'il vous confie. Quel que soit l'endroit où l'Église vous enverra, n'ayez pas peur. Parce que là où l'Église vous enverra, Dieu va travailler avec vous et par vous. Dieu vous permettra de réaliser ce pourquoi il vous a appelé. Pendant cette retraite, il vous a certainement donné des orientations par rapport à cette mission. Et je crois que Dieu, dans sa sagesse et sa manière de faire, sait rejoindre chacun. Vous allez, cher fils, devenir diacre. Tout à l'heure, vous avez entendu la première lecture qui vous a donné l'historique ou l'origine des diacres. Un diacre, c'est quelqu'un qui est appelé à servir. Il doit servir. Il a ce service, on ne regarde pas le visage. On voit la personne du Christ et c'est tout. C'est ainsi que Dieu va se révéler à vous. Chaque fois que vous serez à travailler, à rendre service à quelqu'un, dites-vous que vous avez la visite de Dieu. N'entrez pas dans les considérations, les détails, la présentation physique, l'appartenance religieuse de la personne. Ne faites pas ça. Parce que Dieu n'a ni couleur, tu m'as dit qu'il n'a pas de larmes, Dieu. Si Dieu vous visite sous la forme de quelqu'un de bien habillé, accueillez-le et servez-le. S'il vient à vous habillé à l'aillon, accueillez-le, servez-le. Qu'il sache parler, qu'il ne sache pas parler, accueillez-le. N'entrez pas dans les différences pour savoir qui est qui et qui vient d'où, qui fait quoi, qui est riche et qui est pauvre. Servez tout le monde avec le même cœur. Et pour réussir, Dieu vous a parlé pendant cette retraite pour vous dire comment vous allez l'accueillir. Il saura vous faire un clin d'œil pour que votre service lui soit agréable. Que chaque rencontre avec une personne soit source de joie et de paix pour vous-même et pour la personne qui est venue vous voir. Que personne ne reparte de chez vous triste. La paix du Christ. Amen. Que personne ne reparte de chez vous triste. Dieu vous donnera des mots justes, les paroles justes, les gestes exacts
Dieu vous informer sur ce que vous êtes à faire. Pour que celui qui vous a envoyé puisse recevoir ce qu'il a déposé chez vous pour cette personne. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de donner ce que vous allez vous obtenir. Il s'agit tout simplement de donner à la personne ce que Dieu a préparé pour elle et ce que Dieu a prévu pour elle. Les sept apôtres qui étaient chargés de distribuer le repas, ce n'était pas le repas sorti de leur poche. Parce que c'est la préparation, c'était moi, c'était les femmes qui avaient préparé. Ce n'est qu'après qu'ils pouvaient servir. Contentez-vous de servir comme Dieu